Génial, j'ai battu mon record de plus de 2/10. Dis donc, Emma, t'as vraiment mis le turbo cette fois. Oui, et demain je ferai encore mieux, tu verras. Donne-moi 2 semaines et je serai prête pour le championnat. Trop cool. Cléo ? Hé, Cléo ! Oui ? Toi ? J'ai un petit problème, là. Aide-moi un peu. Écoutez, je suis désolée, Allez ! Je t'en prie, il veut pas démarrer. Je te demande pas grand-chose, je veux juste que tu me passes les outils, c'est tout. Tu sais, je connais rien au bateau. Tu vas être parfaite. Je viens seulement de réaliser que quelqu'un m'a piqué ma bougie. Et ça peut pas marcher sans ? Non ! Si t'as pas de bougie, t'es marron ! De toute façon, je l'ai assez vu, ce bateau. Mais pourquoi moi ? Attends, j'y suis pour rien dans ce vol de bougies. Il fallait pas te trouver là, Cléo, c'est tout. Mon père va me payer un autre bateau, de toute façon. Et j'ai un bon plan. Si t'arrives à le faire démarrer, il est à toi. Je ne trouve pas ça drôle. Ah bon ? Ah, moi, je trouve ça excellent. Hein, Nate ? Tu vas devoir te mettre à l'eau, Cléo. Ça risque pas. Vous faites partie du sauvetage en mer ou quoi? Parce qu'il y a un gros souci là. Et sans vouloir trop dramatiser, je pense qu'on file droit vers le large. Vous comme moi. Oh, c'est vous qui l'avez volé? Zane Bennett est un gros naze. Et tout ce que je peux faire pour lui pourrir la vie est une bonne action, non? Cool. Merci, Ricky. Tu connais mon nom? Oui. Je t'ai vu au lycée, dès que tu es arrivée. Oui, j'avais même pensé te dire bonjour, te souhaiter la bienvenue et tout ça. Accroche-toi. Relax tout à coup. Écoute, on flotte. On n'est pas en train de couler, pour l'instant. Je crois qu'on n'a plus d'essence. On n'a qu'à ramer jusqu'à cette île. L'île de Mako. Oublie. Personne ne va là-bas. C'est un coin plein de requins. Puis c'est bourré de récifs et il y a la mangrove aussi. Ok. Mais on n'a pas le choix. Rentrer chez nous. Bonne question, Cléo. Pose-la à ton ami.
C'est ça, c'est ma faute maintenant. Et c'est la faute à qui, à ton avis? C'est quelqu'un d'autre qui nous a emmenés si loin de la côte? Vous avez de la chance que j'ai ça. Emma est toujours bien équipée, tu sais. Eh bien, je suis très contente pour elle. J'ai pas de réseau ici, il faudrait qu'on essaie sur les hauteurs. Oh. Tu vas au moins. Il faut monter, c'est tout. J'ai pas de réseau là. Et si jamais il n'y en a nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir si on peut joindre personne? Si personne ne nous retrouve, on n'aura qu'à tirer à la courte paille pour savoir laquelle de nous trois sera mangée. Je trouve pas ça drôle. Je veux juste détendre l'atmosphère. Tu nous stresses encore plus. Allez, venez. Attention en sautant. Mais je ne pourrai jamais. C'est trop glissant. Il doit y avoir un moyen de passer ailleurs. Chercher. Attends, t'es folle ou quoi? Ça sert à rien. Et si jamais tu... T'es sûre que ça va? J'ai juste mal à la cheville. T'as dû te faire une entorse. Veux-tu me dire ce que tu viens faire ici? Parce que toi, t'es pas descendue. Tu étais supposée rester en haut et nous envoyer une corde ou je ne sais quoi. Mais pour qui tu me prends? Je lis pas dans les pensées. Et où t'as vu une corde, toi? On ferait mieux de réfléchir à un moyen de sortir d'ici. Ouais. Il n'y a aucune issue. Essayons par ici. Un peu le cratère d'un volcan. Et il risque de se mettre en éruption, tu crois? Ça fait plus de 20 000 ans qu'il est éteint, là. On devrait être en sécurité. Oh. Regardez, des marques de marée. Le niveau du bassin baisse et remonte. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il est relié à l'océan. On doit pouvoir sortir. J'ai comme l'impression que ça va pas me plaire. Laisse-lui au moins une minute.
J'avais raison. Il suffit de nager 20 secondes pour arriver dehors. C'est tout droit et il y a de la place pour les trois. Par le trou qui est là? Hors de question. Fais pas l'idiote, Cléo. Y a aucune autre sortie. Tu vas y arriver? Je te dis que non. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas nager. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous en savez? Écoute-la, Cléo. Tu crois qu'il y a une alternative? Tu veux qu'on reste au fond de ce trou? Concentre-toi. Il faut que tu inspires bien fort. Ça a duré bien plus de 20 secondes. Oh, ça va, on l'a fait en tout cas. Je suis fière de toi, Cléo. J'étais sûre que tu y arriverais. Police maritime. Vous voulez bien nager vers l'échelle? Elle est à l'arrière du navire. Venez. C'était orange et tout recouvert d'écailles. À l'instant où j'ai touché l'eau... Pendant une seconde, j'étais changée en eau. Je suis devenue un caisson. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre. Y a quelqu'un d'autre chez toi? Mon père est à son travail et ma sœur et ma mère font les boutiques. Alors, qu'est-ce qui a pu nous arriver? À peine 10 secondes après qu'on a touché l'eau, on a eu... Et il nous est poussé... Et ça disparaît dès qu'on est sèche. Ça vous a fait la même chose, non? On avait... des queues? Et on aurait dit des... Oui, on aurait dit qu'on était... Qu'on était changés en petites sirènes. Arrête, c'est pas drôle, je te l'ai déjà dit. D'abord, les sirènes n'existent pas. Cette histoire est trop bizarre. Oh non, c'est Lewis. J'avais oublié qu'il venait m'aider en biologie aujourd'hui. Cléo! Cléo! Oh!
Je me suis trompé d'heure? Non, on avait dit 9h. Oh. Mais désolé, il y a eu un truc pas prévu. Quel genre? Un événement important, disons. Mais pas important au point qu'il y ait besoin qu'on t'en parle. Désolé, Lewis, mais il faut qu'on annule. Oh. Eh ben, peut-être à une autre fois, tant pis. Lewis, toi qui es si savant, tu t'y connais en matière de sirène? Non, pas vraiment. D'accord, désolé. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'y connais en matière de sirène? Mais t'es folle ou quoi? Tu te rends compte que c'est grave? Si jamais quelqu'un apprend ça, on peut avoir des méga problèmes. Bon, peut-être, mais... C'est quelque chose de très étrange qui nous est arrivé. Comment c'est arrivé? Pourquoi? On n'en sait rien. Mais il y a un moyen d'en savoir plus. Ah oui, lequel? Se remettre à l'eau. N'y compte pas. Sans moi. Bah moi, j'y vais. Mais peut-être que je ne devrais pas y aller toute seule. Il y a des volontaires. Je ne suis pas sûre qu'on doive y aller. Moi, si. Tu vas voir. Excuse-moi, ce n'est pas ce que tu dis qui va me rassurer. Ça prend 10 secondes, c'est ça? Oui. 1, 2, 3, 4, 5... Lewis, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, tu m'as posé une question et je me suis dit que j'allais faire une recherche. C'est gentil à toi, Lewis, mais il ne fallait pas te donner cette peine. Je sais, Cléo, mais j'ai du temps à ne plus savoir qu'en faire. Tiens, regarde, j'ai trouvé des trucs vraiment trop cool. Les légendes sur les sirènes durent depuis au moins 3000 ans. Et tu penses que les gens croient à tout ça? Bah, apparemment, oui. Parfois, elles pouvaient être de bon augure et parfois, elles portaient la poisse. Et quel genre de poisse? Oh non! Fais comme s'il n'était pas là. On retourne là-bas. Attention! Ah! Nerveuse? Qu'est-ce que tu veux, Zane? Mon père n'a pas apprécié que la police maritime vienne sonner chez lui, tu vois? Je te rappelle que c'est toi qui m'as dit de garder le Zodiac. J'aime pas trop les gens qui me font passer pour un méchant, Cléo. Surtout les nunuches dans ton genre. Et devant ton père, n'est-ce pas, Zane? On dirait que tu en as peur. Tu crois que tu vaux mieux que moi, Lewis? Presque tout le monde vaut mieux que toi, faut faire avec. T'es un dur, toi. Tu t'es trouvé un protecteur cette fois, Cléo. T'es bien servi avec ça. Je suis pas sûr que ça te réussisse. Je vais te dire un truc. Un de ces quatre, Lewis ou pas Lewis, pourrait t'arriver malheur, ma petite.
as vu, on est sorti de l'eau et tout est redevenu normal dès qu'on a été sèche. Comme si rien ne s'était passé. Mais on n'a pas rêvé. C'est le truc le plus excitant que j'ai jamais vécu. Je ne sais même pas si ça peut se raconter. Il n'y a pas de mots pour ça. Hé, attendez, c'est incroyable. Jamais vous ne croirez ce qui est arrivé. Et ça peut monter encore plus haut. Mais toute cette eau, d'où est-ce qu'elle peut venir? Je n'en ai aucune idée. J'ai fait ça? Ah, c'est pas moi en tout cas. Ok. Ça va trop loin là, ça me donne des frissons. J'ai juste fait ça. Juste pourquoi les trucs cool marchent pas avec moi. Je ne sais pas si cool est bien le mot. C'est terrifiant. Mais j'aurais voulu que vous voyiez la tête de Zayn. Je trouve pas ça drôle. Il faut absolument garder le secret. Personne ne doit savoir. On finirait sur une table de dissection ou dans un cirque ou je ne sais quoi encore. Donc c'est un secret qui doit juste rester entre nous trois, c'est ça? C'est notre secret. Notre responsabilité. Quoi qu'il puisse arriver, ce secret nous lie. On est quand même pas mariés, les filles. Là, pour une fois, c'était drôle.